Qui manière, Estelle? Allez, moi, j'aime bien. T'as vu, j'ai mis ma petite robe jaune. Magnifique. Je me sens belle aujourd'hui. Bien élevée. Mon petit mode d'homme, c'est inquiète, non? Mais on dirait que t'es bien, bien fresh. C'est ça le plus important. Make-up, la magie du make-up. Toi, tu viens? Moi, ça va. Get la beauté. Wow. On dormit 3 heures. Alors, qui nous est imprévu pour aujourd'hui, Estelle? Alors, beaucoup de bonnes affaires, de la bonne bouffe. Mm. À ce qui paraît bad beast, de ce que Christophe m'a dit, ouais! Parce que moi qui me préparais aujourd'hui. Voilà, c'est Christophe qui a tout préparé aujourd'hui. Donc, monsieur qui l'émission là pour m'arrisseiller. Et en plus de ça, on aura une invitée aujourd'hui. Oui, donc, un petit détour, nous peut faire de bonnes affaires aujourd'hui à Rosine. Mais suivez-nous dans mes autres dans Premier Base. Nous, allez! Allez, direction Rosine! Énorme salaire qui est là en ce moment là, tu es extra prêt avec moi, Chalem. Tu me dis énorme salaire, mais tu fais grosse quelque chose casse. Tu me dis énorme salaire. Non. I wish avec cette chaleur qui est en ce moment là, hydrate tout le temps vous êtes. De l'eau, casquette, crème solaire. C'est très bon là, exactement. On a marré beaucoup de chance, il est par rapport au temps? Non, par rapport à la foule. Ah, t'as l'air pour Marie rempli. Rosine, c'est une man meilleure la ville que de faire bon shopping. Du coup. Ben, t'as l'air, man, du monde pour en profiter. Il est 9h30 là. Ouais. 9h36 pour être précis. Mais là, nous, quand même, c'est sans comment dire, nous vous pousse du monde. On est à l'aise, il fait beau, on prend notre temps, relax pour le moment. D'ailleurs, que nous bien aller là, Christophe, nous bien nana, rassure-moi, parce que vous verrez Marie pas là. Oui, me permets-toi, dans un petit base, dans le passé. Elle a collaboré avec nous, mais depuis la dernière fois, elle était seulement en ligne. Maintenant, elle a ouvert son petit shop à Rosil. Pour me faire un peu plus suspense, oui. On arrive là-bas, t'en vas connaître que ça n'a mauvais causé. Allez, ok. Chalem, on passe. On est mariés. Je peux suivre toi. Je peux suivre toi. On a besoin de le chemin. Mutant, non. Ouais. Pas ici, ça. C'était dans tout chemin plus bas. Je vous explique. Christophe nous a dit on va beaucoup marcher aujourd'hui. Et là, même il pirate ses mains. Ça faisait nous pour Christmas. C'est que prévu. Pourquoi tu fais ça? On peut pas prendre un taxi ou bien prendre le tout pour Mos. C'est dans des trois affaires. Mos, c'est ma clé. Allez, nous Mos. L'exercice, 9h30 du matin. Non. Alors, on va en laisser ce rappel. Attention, les doigts. On va donner cette autre appel, mais tu peux mettre caméra là au moins pendant qu'il m'a fait causer. Chalem qui fait un petit sourire qui monte la caméra en faisant. Allez, on allume le micro alors. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que Chalem ne parle pas beaucoup quand il nous donne des instructions, quand il est à la caméra, non? Il fait signe de tête, comment je nous fais comprendre qu'il fait dire. Alors, on va relayer ces autres appels, Estelle, avec ce jaune-là, avec ça devant. Là, on dirait que c'est parfait, parfait. On va relayer ces autres appels, mais qu'on nous fait un petit détour dans Bois Chéri. Mm-hmm. On avait des petits treats, pour être précis, des Thai treats, qu'ils soient doux ou salés, savory ou bien sweet. Tu te rappelles, tu as un chocolat, tu as... Oui, je me rappelle le chocolat noir, marie fondant. Exactement, à l'intérieur. Exactement, red velvet, bon. Etc. Si ce n'est pas pessier, c'était des petits treats en forme de poisson. Exact. Là, je suis sûre, je vous rappelle. Et ben, depuis, l'univers se tient base dans Rosil, mais nous allons faire une petite visite à Céline. Nous allons manger chez tout. Non. C'est fermé. La porte. Parce que normalement, ils sont pas supposés être... Oui, il ouvre beaucoup plus tôt. Il ouvre à 11h et là, ah, il est 9h47. Bonjour. Bonjour. Dali, comment ça va? On a fini de dire que normalement, vous n'êtes pas ouvert à cette heure-ci, mais pour nous... Exceptionnellement. On peut faire un petit treat. Et c'est Marie Cocas. Aïe, Anjali Tibas, vous venez vraiment prendre un petit déjeuner. Mais oui, imaginons qu'on a entre amis là. Je peine à sa quantité camarade là qui pourra qu'à avoir 6 ans parce qu'il me peine à camarade à pote. C'est pas vrai. ND.
Allez, trois. Marie cute, les couleurs sont belles et tout. Waouh, super. Alors, vous êtes aujourd'hui, on va essayer un petit affaire nouveau pour nous. C'est la première fois pour moi. Qui est tout simple, mais qui amène nous pas une boisson. C'est un café avec du lait de coco. Oui. Si c'est pas bon, la Céline. Céline, c'est lui, c'est bon, vous allez voir, c'est top net. Mais en tout cas, ça sent méga bon. Oh yeah. Je suis pas très boisson chaude, moi, je m'en suis connue. Mais... Oui, qui m'ira. Non, mais j'ai dormi que 5 heures et tu m'as dit qu'on allait beaucoup marcher. Du coup, il faut que je fasse ça à la café aujourd'hui. Merci beaucoup, Céline. Merci. Si jamais vous êtes vegan, vous rentrez en contact avec Céline la veille. À travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Instagram, Facebook et WhatsApp. Et je t'ai envoyé un petit message. Et Céline, mon bébé dit demain, mais seulement, moi j'ai un petit problème. Enfin, c'est pas un problème, mais bon. Oui, je suis vegan, donc elle va préparer une pâte séparément. Et après, elle a des feelings spéciales pour ban vegan. Donc, elle est là, tout le monde est content. Chicken chassis. Ça, je crois qu'on avait goûté la dernière fois et ça, c'était super bon. Ça, c'était ton choix. Tu sais, c'est quoi la différence cette fois-ci? La dernière fois, tu avais ramené la boîte et c'était quand même un peu froid. C'est-à-dire qu'on n'a pas mangé super chaud. Mais oui, mais oui. Mais là, là, c'est chaud, chaud. Ça vient de sortir de la machine là-bas. Non, arrête que ça commence. Attaque d'affaires là. Comment on mange? J'attrape le poisson comme ça ou tu le casses en deux? Non, tu tiens sur l'écaille avant. Te désosli. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est vrai que c'est le monde différent quand c'est chaud, hein? Complètement différent. La dernière fois, c'était bon, hein? Déjà, c'était bon. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le petit treat chaud bouillant là entre les mains, c'est différent. Oh, tu mets des chocolat chips dedans? Oui. Oh. Bon, ça peut fondu, bah. Oh, yes. Vous faites ça? Oui, c'est vous, t'es contente. J'ai l'impression que c'est Noël. C'est vraiment bien, de super. Mais c'est Noël. Qu'est-ce qu'on a comme ça? Celui-là, c'est un classic milk. Okay. Et l'autre, c'est le baby red velvet. Il y a du chocolat blanc à l'intérieur. Ouh! Donc, c'est red velvet à chocolat blanc à l'intérieur. Et okay, cela, milk chocolate. Top. Merci. Je trouve ça hyper ludique et fun à manger. Imaginez emmener des enfants, par exemple, ici. Mais c'est top! Déjà, le feeling est super bon. Et puis, le look, quoi. Les enfants et après les grands-enfants comme nous. Non? Oui. Allez, excuse-moi, je te dérange, Esther. Red velvet, non, allez. Qu'est-ce que je veux là? Je veux ça. Ouais, je pense que je veux ça même. Ça là, avec un petit morceau de chocolat blanc à l'intérieur, vous êtes. Qu'est-ce que j'aime, c'est pas hyper sucré. Ouais. Dès que tu tapes au milieu, au milieu. Là. Alors, Manish n'est pas avec nous en ce moment, il va nous rejoindre un peu plus tard. Mais il est en route. Mais le temps qu'il vienne, je ne crois pas quoi que ce soit pour lui. On garde un. On garde un pour lui. Un red velvet, ça c'est pour lui. Le reste c'est pour lui. Voilà, celui-là, c'est le kayaki ice cream. Et le kayaki. Avec une bonne de flics. Regardez. Ah, mais oui, les bonito flakes, donc c'est du poisson en fait, qui a été taillé extrêmement finement. Et là, vous voyez que c'est en train de s'envoler, c'est des choses.
Mais c'est pas, c'est pas la clim qui fait j'ai, ça. J'ai envie, mais oui. C'est, j'ai envie c'est de vivant. Non, c'est la clim. J'ai envie de goûter que ça. C'est ça qu'on appelle le umami. Uma. Ah, ça sent mal à fumer. Prends un petit bout et puis tu sens. Ça sent mal à fumer. Oui, on dirait mal à fumer, effectivement. Donc ça, c'est un treat salé, là, un taiyaki salé. Oh, merde. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans, rappelle-nous. Alors, tu as 3 avec ouri et 3 avec saucisse. Si tu en mets un, ouais, c'est en 2 rangées. Ourit et saucisse. Dis-moi lequel pour toi. Ah, je crois ourit. Pour toi, c'est ourit. Ourit. Oh. Je vais laisser un petit peu refroidir. Ça a l'air méga chaud. Non, mange maintenant. Ok. Ah. Je crois que c'est ça mon favorite de tout ce que j'ai goûté là. Ah, attends, c'est chaud. Mais c'est bon ça. Waouh. Ah oui, bah ouais, non. Top. J'adore. Vous êtes celui-là, là, avec les bonito flakes et ourit à l'intérieur. Tu as eu saucisse, tu as eu ourit. Tu as essayé de mettre tout dans la bouche. Alors, celui-là, sorry, j'ai décidé d'aller dans le ice cream, excuse-moi. Ouais, non, c'est bon, ok. Quoi? C'est assez comique parce que tu as l'impression que le poisson est en train de manger toute la glace. Bah, je pense. Ça, genre, tu le tires. Qu'est-ce que tu fais en principe? Tu, tu le tournes. Around. Mais oui, ouais. Tu fais ça. Mais elle, il. J'ai décidé que c'était un il. Mais il y aura pas ça. Ça va être j'allais dire il y aura pas ça pour toi. Eh mais ça va. On ah a ok. Ça, allez vas-y vas-y Estelle vas-y vas-y. J'ai l'impression que je suis en train de me gaver alors que c'est un petit déjeuner là. L'impression, c'est pas que l'impression, hein. Waouh. Wow. Regardez ça comme c'est cute. Ouais, c'est Marie top. C'est Marie top. Top. It's okay. Goûte un goût. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est marrant bon parce que ça, c'est un peu chaud et crunchy. Et puis tu as la glace. En... Ouais, 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 c'est bon. C'est super bon. Oh, les deux derniers là, c'était mon favorite. Moi. Ça et ça. En tout cas, vraiment, Mamoutouchou, ton copain. Ah, je souris. En tout cas, merci à l'équipe de Taiki Treat pour tout ce qu'ils nous proposent, nous. Ouais, belle, et découverte. Belle redécouverte. Ouais, redécouverte dans une jolie petite location ici à Rosyle. Venez vous autres, l'équipe est marie de cup. Et l'endroit est hyper chaleureux aussi, t'as envie qu'elle s'impose. Et en plus, il y a la clim, donc c'est parfait en été. Allez, right, nous c'est les tours, continuez, merci Céline, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous joignons la prochaine fois. Je connais Côte Sarzo, bienvenue. C'est juste en face avec Notre-Dame de l'Aude aussi. Allez là, nous t'y les tours. Sakula, continuez. Les bénois, allez. Nous continuons de vous sauver. Alors, là, mon père, je découvre 3 magasins. Au revoir. Donc, oui. Nous permet de dans 3 magasins complètement différents. Un pour un étudiant et un pour un créatif. Un pour un créatif et l'autre pour un créatif. Donc, il y a des affaires en commun tous les 3. Ok. Complexe ici. Marie, prie à est-ce que tu trouves mon man pour me faire un peu du monde tendé parce que c'est dans ta phase. Mais c'est comment dire, mon peut causer. Oui. Ok, ça veut dire là, nous dans Royal Complexe. Nous pour à l'étage et en même temps nous faire une découverte à Tibaza et c'est le cipo bien content aussi. Je crois que je sais, mais je sais pas si me suivre, me suivre toi. Oh les escaliers. Alors, nous arrivons devant
un joli petit magasin qui s'appelle Tribute Shop ou Tribute Shop, si vous voulez. Oui, à la française. Et cette petite base-là, c'est une pépite, vous êtes. Aïe, vous êtes. Mon petit collègue, quand Christophe, il a dit, allez nous monter des emletters, etc. Je savais que c'était ce magasin-là parce que c'est un désastre. Ban outfit ici, 6 œufs de content, ban outfit africain et rastafarien. Yeah, rastafarien, ouais. Rastafarien, ben, c'est le magasin qu'il vous faut. C'est vraiment le magasin qui met en avant la culture africaine, mais de toutes les façons possibles. Ici, vous allez trouver vraiment de vraies pépites. Me trouver, c'est un man plus de magasin qui te mettait dans un programme. Là, là, là. Hey, ça, moi, ça, frère, moi, ça. Allez, venez. Allez, allez. Du bombé. Alors, ce qui est marie top ici, non seulement tu as du choix en termes de wax, tu peux acheter le tissu et faire quelque chose qui t'a envie, ou bien directement tu peux demander aux spécialistes de Tribal Shop de travailler un truc en design pour toi. Et aussi, Ena, tout fait, déjà prêt à porter. Et si vous trouvez Stella dans un petit moment, là, on dirait une princesse, même une reine, tout, je dirais. Alors moi, si j'ai trouvé chaussures à mon pied, j'adore cette tunique-là et c'est super léger. Pour ceux et celles qui pensent que aïe, je ne peux pas mettre wax parce que c'est lourd, pour transpirer, etc. Mais il y a différentes qualités wax, il y a différentes qualités qu'ils sont capables de trouver pour certaines affaires, qu'ils sont contents. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé mon bonheur. Guettez Stella. Yes, give us everything. Wakanda forever, yes. Je me sens comme une princesse en fait, une princesse africaine. C'est top, c'est Marie Jolie. Je pense que la princesse a détrôné la reine. Je pense que ouais, tu es la reine. Ouais, là je suis la reine avec les accessoires là. Là je suis une reine. Là. En plus j'adore le petit truc avec les cheveux, les petits bracelets. Il y a plein d'accessoires, les boucles d'oreilles. Enfin il y a tout. Vraiment si, enfin même à la fin de l'année, même s'il y a pas de thème, ouais. Mais à la fin de l'année tu arrives comme ça devant tout le monde, comme si la famille, etc. Tout le monde, wow. Alors pas besoin de chercher. Deuxième étage, Royal Complex à Rosehill. Tribute. Yes, Tribute Shop. Vous allez trouver votre bonheur ici, hein. Vraiment, si c'est votre style. Vous allez adorer. Il y a tellement de choix, tellement de couleurs, tellement de coupes différentes. Gosses, filles. Aïe, même pour enfants aussi. Ouais, même pour enfants. Cute. Et si vous voulez, par exemple, prendre du tissu et faire toute votre famille, comment dire, assorti, celle-ci, c'est possible. Venez, essayez, adoptez. Franchement, c'est top. Ma reine, au revoir ma reine. Vas-y, allez. Vous êtes un magasin là, plein d'accessoires, vêtements pour enfants, adultes, etc. Il y a ma bed set, ça veut dire 2 têtes d'oreiller et un duvet cover. Et c'est hyper stylé, je ne sais pas si on peut voir à l'image là ce que ça donne. Mais si tu veux un peu pimper ta chambre avec un thème Afrique, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et là, tu as un petit set hyper sympa et ouais, ça, c'est top. Je trouve que c'est une bonne idée de cadeau aussi si vous voulez offrir un petit bed set si quelqu'un aime bien le thème Afrique. Je te donne une autre idée cadeau, Estelle. Tu peux payer pour un garçon, c'est devant, là. Bonne parce que Christophe a pris une chemise. Bonne finie sélectionnée qui m'a l'air. Advan, ça fait pour moi cadeau. C'est pas de bonne venue. Allez. Ça va, j'ai mon pote-menu dans ton sac. Et attends, qu'est-ce que c'est quoi ce bâti là? Elle me dit, aïe, j'ai pas mon portefeuille. Tu le mets dans mon sac?
Allez, Lucie, on continue. Alors, nous tous les tous, puis continuer dans Rosine, on est toujours dans Royal Complex. Et juste un étage en dessous de Tribute Shop, nous avons Fréquence, qui spécialise dans tout ce qui est chic, bohémienne, beau, chic, hippie. Et Moi, je ne connais pas du tout le magasin. Tu connais pas? Non, je ne connais pas du tout, mais je vois déjà là que je vais adorer, je sais. Et ici, c'est un tie and dye paradise, kind of. Allez, rentrez, vous allez voir. Je vais aller voir. Alors, Estelle va choisir des vêtements hyper funky en même temps. C'est très facile de choisir des vêtements funky ici. Elle a pris un tie and dye un petit peu fluo. J'ai essayé de trouver quelque chose matching, mais sinon, ici, pour un dimanche qui compte en Sarouel, tout a été grossier, tout a été couleur et tout a été style. C'était vraiment un paradis pour tout le monde qui compte en boho chic et tout le monde qui compte en vêtements très très hippie. Allez, moi, rôde un outfit pour moi. Shalem, sorry, pardon. Out of France. Oui, allez, on sort maintenant, c'est bon. Alors, vous êtes, qu'est-ce que je dis? Beau, pas beau? Et je me trouve Marie jolie dedans. J'aime, c'est joli, c'est coloré, c'est fun. C'est Marie top. Et en plus, ouais. Comme si je capable de faire matching, si je t'avais trouvé un affaire matching, mais que ce soit pour homme ou bien pour femme, et la Marie sélection. Marie sélection. Imagine Christophe dans un festival de musique. Moi, dans une fête fin d'année, comme si avec thème hippie, beau, chic, etc. Comment avec ça. Comment tu m'as aussi dans fin d'année, comme ça. Comme ça. Salut, c'est Estelle. Bonjour. Non, mais t'as, en plus, t'as des accessoires. Il y a Marie, beaucoup d'accessoires. Il y a des accessoires hyper sympas. Et je trouve ce magasin-là top, top, top. Moi, je ne connaissais pas du tout. Moi, et mon petit média, d'ailleurs, à Bandim qui travaille dans le magasin-là, qui. Ben, beaucoup de monnaie créée, nous disons que nous avons un lesbo, chic, ayoté, thème fait fin d'année, tout gagné pour la fin d'année, mais on vit ça, on ne sait pas. Ben voilà, maintenant vous savez, c'est Fréquence. Royal Complex, premier étage. Hey là, you're welcome. Donc hippie chic, tropical, bohème, vous avez de tout ici et on peut les retrouver sur Facebook. Instagram aussi. Et TikTok. Même TikTok. Exactement. Nous tirons tout, continuons. On va passer dans cette direction-là. Allez, je suis venu. Bon, ben, nous tirons tout, continuons dans vos îles. Alors, nous tirons tout, on peut continuer dans vos îles. Et je suis devant le Crack Boutique, qui est quoi? C'est un Kawaii Creative Craft Shop. Quand on dit Kawaii, ça veut dire que c'est cute. Si je dans la créativité et aussi au niveau papeterie, elle a tout ce qui se clé en dents. Estelle est déjà à l'intérieur avec les yeux remplis de cœur. Nous rentrons un petit coup de noix à checker. Et je trouve ça incroyable. Je te vis dans l'épaule victorien. Alors avant, quand tu envoyais une lettre, etc., tu mettais ton seal. Donc ici, tu as des sealing wax.
de toutes les couleurs, que ce soit bleu, marron, vert, etc. Et après, tu peux mettre un stamp. Je me demande si tu peux faire un truc personnalisé. Tu mets un stamp, comme ça, les gens savent exactement. Ben, et avec ce style-là, ça vient de Christophe. Ça, je trouve ça marrant top. Et juste à côté, là, tu as des stamps où tu peux puncture avec différentes formes. Là, pour Noël, celui-là, je trouve ça parfait. Il y a plein. Stencils aussi. Ouais, des stencils. Il y a tout plein de trucs si vous cherchez. Il y a tout plein de trucs, des chalkboard labels. Même pour les fêtes, les décorations, etc. Je trouve ce magasin marie top. Pour que ça, tu as des petits iPhone cover marie cute. Et puis pour les fans de K-pop, mais c'est le magasin qu'il vous faut, vous êtes. BTS. Je veux redevenir adolescente maintenant. Blackpink. Tu veux redevenir ado? Maintenant, juste pour voir, profiter de tout ça. Parce qu'à 35 ans, ça passe pas trop, non? Tu te rappelles comment tes dents et ta peau étaient quand tu avais 16 ans? Ouais. J'allais dire un truc là, mais je peux pas dire. Ne dis pas, s'il te plaît, ouais. Alors, comment... Je vois juste que Christophe sortira avec plein de trucs. J'ai pas compris. C'est une marque sympa de leur part. L'équipe de Le Crack Boutique nous donne à chacun, les garçons, venez. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Alors, ça, c'est pour vous. Marty, ça n'a pour moi. Rends-moi ça là. Comment tu sais lequel est pour toi et lequel est pour nous? C'est comme par hasard. C'est par hasard. Ça, c'est pour toi, Chalem et Maniche. Et ça, c'est pour toi, Estelle. Ajou. Et à l'intérieur, nous avons... Coca, des coussins, Coca. C'est marie cute. Des petits calendriers. Et après, elle m'a dit comme ça, il y a une enveloppe spéciale pour nous. Ça, on doit ouvrir en privé. C'est vrai, il y a une enveloppe spéciale. Ouais. Bon, si je veux ouvrir ça tout de suite. Merci. Franchement, c'est un magasin hyper sympa, très girly. Je pense qu'il est beaucoup plus pour les filles. Sorry, excuse-moi de te couper. Mais pourquoi il faut ouvrir ça en privé? Venez voir vous autres. Oh, gosh. Elle nous a donné un gift code. Donc, forcément, si vous voulez offrir un cadeau, si vous pas connaissez qui vous besoin offert à quelqu'un, vous êtes capable de prendre un gift code ici. Et celui-là, c'est une valeur de 1000 roupies. C'est marie top. Merci. Vous êtes on est marie gâtée. Merci au magasin Le Crack. Et franchement, je suis marie touchée. Je me dis wow. C'est top. Un petit cadeau. Tu vois qu'un petit cadeau là. C'est un trois cadeaux. Et franchement, top. Jolie découverte. Même moi, je ne connaissais pas du tout. Et c'est juste à côté de la gare. Littéralement. Comme littéralement. Devant la gare. Et facile d'accès et top pour les filles. Pas que pour les filles. Oh, oh. Oui, mais il y a beaucoup de filles qui vont plus aimer que les garçons. Camarades, sorti d'un petit letto pour le déjeuner. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un boot, mais... C'est parce qu'il faut parler. Fitness, bon, c'est tout. Qu'est-ce que ça, des gars, sont là? Tu le sais, la fille, tu as dit, maman, pour aujourd'hui, c'était plat parce qu'il est fatigué. Oui, parce que c'est moi. Bref, oui. Donc, il arrive là pour manger. Ciao, ciao, nana. Et on trouve une base marie top qui ajoute... La chair, la chair, du sizzling, mille bouillies, tout ça là dedans c'est le base. Sizzling mille bouillies. Bon ben déjà tu as la mort, fait quoi que goûté, j'ai dit. Tu as ouais. goûté et tu valides. Ouais, valide. Allez, venez avec nous. Après qu'ils nous morcent pendant quelques minutes et que toute l'équipe entière peut plaigner parce qu'ils ont tout paris, incluant Estelle. Yes! Nous finissons à notre destination. On est devant Bento Walk. Qui paraît bien rempli. Donc, quand tu es au beaucoup d'immunes, tu as fini que les manger là-bas. Ici, bien populaire. La semaine dernière, quand nous pouvons faire le programme Chalem et que moi, nous venons ici, nous disons goûte manger pour connaître comment elle était. Vous n'avez pas arrêté de dire que c'était marie bon en plus. Mais c'est justement, c'est marie bon. Nous pouvons montrer les autres et faire les autres découvertes en même temps. Mais aujourd'hui, Léna a un petit camarade en plus. On sera pas seul. On sera pas seul. On a un invité aujourd'hui. Qui envoie nous plein de messages. Qui tout le temps, il supporte nous dès le départ. Elle s'appelle
Isabelle, ok, nous t'aimons toi. Hey. Yeah. Elle s'appelle Isabelle. Qui manière, Isabelle? Correct, toi? Correct à part salaire, correct. Ouais, il fait chaud, on était hyper chaud. Isabelle, nous avons un problème, nous avons besoin d'un coup de main pour capable finir manger. Est-ce qu'il te garde de nous un coup de main? On va essayer. J'ai sûr. On espère. On espère. Okay. En tout cas, on est ravis d'avoir une invitée qui va être avec nous pour le déjeuner aujourd'hui. Une petite diazote, ça, de temps en temps. Nous avons un petit qui va accompagner nous. Mmh. Et bien, ravi que tu sois là. Je ne connais pas plutôt, mais Marie-Fred, donc oui. J'ai faim, j'ai soif, j'ai tout là. Allez, on a chaud, Brice. Allez, non, allez, venez, venez, venez. Les taux, ils commencent très très bien. Côte Bonto Walk, s'il vous plaît. Avec un poulet croustillant. Qui pas N. Oui, ça même, non, un plateau poulet croustillant. Bien chaud chaud. Et le spécialité ici. Mondia, toi, quelle spécialité ici? Tu me dis, moi, sizzling. Tu m'as dit un mélange. Sizzling, minbui. C'est un avec tout. Un tasafel au ce spécialité, enfin bien sûr, ce menu assez divers, mais ce spécialité, quand tu es dans le plateau du monde, mais ça fait du monde. Veillez. Que tout le monde autour. Tout le monde qui vient se manger. Tout sizzling, minbui sizzling. Alors, un il prend bœuf, un il prend poulet, un il prend agneau, un fruit de mer, un point de mélange. Et Alaïla. Et... Avant de demander à notre invité, est-ce que tu aimes manger déjà minbui, sizzling, etc. J'adore les trucs repas chinois, donc du coup... Ah, t'es une vie dans bonjour. Exactement. Et crois-moi, je dis te pour bien manger. Miam, miam, miam. Est-ce que nous avons causé assez avec moi ce boulet croustillant là, avant d'y frais? Allez, oui, Estelle a décidé, tout ce qu'Estelle a décidé nous faire, parce que c'est l'émission ça, et c'est lui qui a décidé, comme à tout femme. Allez. C'est pas vrai. Merci. Allez, correct. Et bien sûr, Christophe Henry, t'as un micro. Vas-y, try it, try it. Notre invité avant Estelle. Pas qu'on chez moi. Mais tu as déjà pris ton poulet toi aussi. Je sais pas de quoi tu parles, Yarine. C'est un réflexe en fait. C'est la vie. Après, c'est... Aïe, il a dit moulin, nous là. Merci. Non, répondant. Mais que ça t'y lasse ça, il a que ça t'y fait mal, là. Mais il y a. Alors, c'est comique ici parce qu'il y a tellement de sizzling qui sautent de la cuisine, j'entends que chh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 
Waouh, j'adore. J'avais l'impression d'entendre merci à Estelle, parce que c'est Estelle qui a dit. Ça, tu l'as montré de près, ça, Charlène. Ouais, ouais. Les deux. Oh là là, nice. Dites-nous un coup. On aurait pas fait chier pour lui, là, non? Allez, bon appétit, vous jeunes. Bon appétit, tout le monde. Merci à Bonto Walk. Et d'aussi bien nous recevoir. Extra bien recevoir. On est vraiment contente de partager ce repas aussi avec toi. Merci d'être là. Allez, enjoy. Et les potions, vous êtes, elles sont énormes. Tu connais, il y a des bases, par exemple, pour manger, tu connais une tamine, mais effectivement, pas beaucoup de viande, de poulet, etc., d'agneau. Mais là, c'est tout le contraire. Ça va être un petit peu de mine, mais avec beaucoup d'ingrédients à côté. Oh, ça donne marrer envie, là. Nous goûte ça. Christophe, Instagram, pose ma petite photo. Bon appétit, vous êtes. Ouais, bon appétit. Il me rendait comment on se rend, là. C'est calé. Tu l'aider, je peux faire une expiration, ah. Genre. On prend juste une calée là, les boissons sont tellement grosses et généreuses que là on se dit ouais, et calée là. Les rires qui vont le faire, vu qu'il fait marie chaud. Mon père faisait encore des affaires avant. Mon mari, sa grand-papa, qui a fini sa mine là. Pour lesquels faire mal. Ah, mais qu'est-ce que c'était bon. C'était. Tu penses que tu pourras finir pour toi? Je dois caler même là. Je sais pas, on verra. Et on va y rentrer. Bisous, capable, Isabelle. Pas fait, tu me gagnes honte là. Yes, we do. We can. Yes, we can. Yes, we can. C'est vraiment une soudure à manger. We can. C'était trop bon, mais moi aussi, je dois caler là. Mais je veux un takeaway seulement. Ouais. Un petit takeaway, vous prendre des trois petits poules, je vais vous mettre à côté. Qu'est-ce que ça fait? Non, mais c'est bon, ne pas faire de gaspillage. Et c'est à 100% raison. Fait du bien, honte. En tout cas, vous êtes. Vous venez souffler dans votre moule là, l'oublier, frère. Marie, bon. Ouais, c'était vraiment si bon. Si vous posez la question, au fait, Bonterwo qui est plus près de Birmingham, non? Les plus près que Buckingham Palace, en bas. Les plus près que Buckingham, qui est le centre de Rosehill. Et de toute façon, si vous péronnez, si vous tapez Bonterwo, ouais, Google, je vous finis Game and Direction. Après, nous, tu peux planer qui ne peut pas tiguer, moche, etc. C'est juste qu'il me compte en planer, mais c'est 10 minutes de moche, je crois, de Rosehill, et c'est correct. C'est pas si loin que ça. Faut pas oublier qu'il nous mauricien. Oui, mais il y a des affaires qui nous fait, c'est planer. Yeah! Non, mais venez essayer, j'ai vu qu'ils avaient aussi des bols renversés. Mifoulfrir. Il y a plein de choses. Ouais. Mauricien qui nous tout content. Vous allez adorer ici. C'est moi me penser que vous êtes une bonne heure parce qu'il base là. Entre midi et une heure. Vous connaissez quand une base remplie comme elle s'est fait. Ça veut dire manger Maribon. En midi et une heure, c'est rempli. Mais bien sûr, je t'avais téléphoné pour réserver déjà. Et j'aurais aimé dire merci à Isabelle d'avoir fait le déplacement. De venir et partager un petit moment avec nous et tous les internautes. Isabelle qui suit Randy depuis le tout début, depuis elle nous a dit. Début. Ouais. Et que ça te fait, enfin, je pense que ça te fait plaisir d'être là. Nous aussi, on est ravis de t'avoir rencontré en tout cas. Et merci de nous avoir accordé un peu de temps aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu peux souhaiter à tous nos internautes dans sa fin d'année, etc. Qu'est-ce que tu peux souhaiter? All the best pour l'année prochaine. Et tu dois te figuer quand tu peux dans le All the best pour l'année prochaine. Je te la santé. All things. Ouais. Même si. Ouais. Et surtout à vous. Merci. Tu as une dédicace spéciale? Un amoureux possible, la famille, je sais pas moi.
Non, parce que parents t'en tiennent pas. Non, mes parents savent que je suis avec vous, donc... Ah, ben voilà les parents, ben gros bisous. Maman, papa, comment ils s'appellent? Daphnis et Brisbane. Daphnis? Daphnis et Brisbane. Ce sont des noms très, 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 très rares. Waouh, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Mais en tout cas, Daphnis et Daphné, Brise comme la Brise et Lynn. Daphnis, all right. Et top, top, top. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. Bonne année. Merci à vous aussi. Et à très bientôt, Isabelle. À bientôt. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis dans une bourrette ou quelque chose parce qu'il ne va pas manger? On ne va pas manger, là, c'est bon. Merci à Bontowok et toute l'équipe pour sa super bon service avec un grand sourire. Et nous tirons tout continuer, Stel? Nous tirons tout continuer, nous perdons un petit basque pas trop loin. Pas trop loin. Qui appelle C'est qui te l'est, on vous fait découvrir tout de suite. Alors, c'est qui se peut trouver derrière eux, c'est un petit magasin local qui appelle C'est qui te l'est. Et Christophe, dis-moi qui nous vous prend des séries. Je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que pour moi, c'est un magasin qui paraît top, mais magasin. Oui, avec à 80% des produits qu'il y a en dents, ce sont des produits locaux. Yeah, ça j'adore. Et parmi ce produit local là, et un petit dessert qui nous tout le cas pas à manger, venez avec nous, vous allez découvrir en même temps. On va voir Désiré et Clara dans C'est qui te l'est. Allez, nous allons. Bonjour. Aïe, j'ai le petit magasin en tout cas, hein? Bien nice. Alors, à 80% Estelle, des produits locaux. Aïe, j'adore. Moi, j'adore tout ce qui est buy local, support local, j'adore. Mais avant de commencer, découvrir tout ce que vous avez à proposer, j'ai déjà fait une promesse à Estelle et à toute l'équipe. Je leur ai dit qu'on peut prendre notre dessert ici. Parce qu'il y a des glaces artisanales que ou même vous proposez. Et non, dites à Estelle qui qualité différents flavors je te proposais. Eh bien, bon, des saveurs qu'on a actuellement. Vous êtes plus près, Estelle? Voilà, c'est là. On a fruits confits au rhum. Fruits confits au rhum? Oui. Fruits de la passion et carambole caramélisée. Oh, carambole caramélisée, je sais que je veux. Et aussi, il y a café, chocolat, il y a cookies, caramel, salé. Oh. Et il y a pina colada avec et sans alcool. Il y a mojito avec et sans alcool. Je vois pistache, gingembre, cannelle. Cannelle, gingembre, pistache, choco. Voilà, et quels sont les différents formats que vous proposez? Logements, voilà. Différents logements, je fais. Surtout pour commercialiser, c'est le petit pot qui est à 100 ml. Mm-hmm. Ouais. Et aussi en 2 ml. Ça en 2 ml. Plus pour commercialiser. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut avoir en 1 litre, ça c'est possible. C'est uniquement sur commande. Allez, right. Trêve de palabres. De papoterie. À nous rentre dans sa frise là. Nous guette un coup de kiwi à proposer parce que j'ai vraiment hâte. Marcellino. Vous êtes prêts? 1, 2. Oh. C'est Marie méga bon. C'est une bonne idée parce que c'est vraiment super méga bon. J'ai jamais mangé un sorbet comme ça. Attends, vous pensez que c'est carambole, non? Carambole, caramélisée, fruit de la passion. Ouais. Ouais, j'ai une idée. C'est bon? Ouais. Félicitations parce que vraiment c'est une belle boutique. Voilà. Et on voit la gentillesse et la passion dans vos yeux. J'ai envie de prendre de petits maintenant. C'est pas tellement gentil. Croyez-moi, c'est trop bon pour adopter Estelle parce que je vais être corrompu après. Mais vous êtes, mais si vous avez l'occasion, venez goûter ça. La passion carambole caramélisée là, c'est waouh. Et même la glace de Christophe, j'ai Ouais, c'est vraiment bon. Dégage pour vous alors. Pina colada, super. Pina colada, le goût du rhum n'est pas vraiment bon. Non, c'est t'as goûté celui de Christophe? Non. Goûte. Et... mange, prends un bout de fruit. Un cuillère comme c'est prends un bout de fruit avec, consomme avec la glace.
Mais j'imagine bien, ça évite, tu mets un petit gâteau de chocolat, tout ça, ça doit être. Ah, oui. Marie, bon. Ah ouais. Ah ouais. Elle sent bien, hein. Ah ouais. Avec le fruit, tu le sens bien. Charlène, on l'a fait, Juliette, il nous regarde même. Il regarde son petit peu. Lui, il apprécie son. Il apprécie trop. Oui, il apprécie, oui, la robe. En plus, c'est la période des fêtes, là, vous êtes, on cherche tout un petit dessert, une petite bûche homemade. Ah, mais ça, c'est pas une petite avec, bûche qui avec arrive, des là. Hein. Flavors, je suis sûre qu'ils sont extraordinaires. Hop là! Ah oui, ah ouais, là c'est une grosse bûche. Et c'est quoi le flavor celui-là? Celui-ci c'est trois chocolats. Ouh! Celui-ci c'est trois chocolats et ce que vous tenez dans votre main là, la grande noisette caramélisée et fruits confits. Et celui-là c'est bûche trois chocolats, ça va être la version petite de ça. Ah, okay. Super! Alors vous êtes non seulement. Nous avons différentes saveurs au niveau de la glace, mm-hmm. mais aussi nous avons des sorbets, Estelle. Mojito, ananas tamarin, ananas, enfin, ananas tout seul. Et tamarin piment. Tamarin piment. On serait vraiment de gros gourmands si on prend un tout de suite là. Mais le monsieur a dit de donner à Maniche parce que Maniche était en train de chercher la glace mojito mais il n'y en avait pas. Mais là, il y a ça. Donc, tada. Merci. Merci, vous êtes. Est-ce qu'on va manger, M, là? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut découvrir la boutique, s'il vous plaît? Découvrir la boutique, s'il vous plaît, merci. Oui, allez, allez, allez. Un petit peu de professionnalisme dans cette histoire là. Ok, donc nous guettons pas dans la boutique là. Pabillet te tira, pabillet te cadeau, te caba. Sacration. 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 Marie, c'est tellement cocasse. En plus, c'est un truc que la personne peut réutiliser. Et il y a une autre qui dit mausolée. Mausolée. Mausolée, ouais. Pour seulement 100 roupies. Oh, ça c'est cute, hein. On a une surprise pour Estelle. Estelle. De la main. Fais léger. J'ai un peu peur quand même. Fais léger. Ok, parquet, gâteau. Bonbon lapin! Je vais manger tout de suite. C'est notre enfance, ça vous a... Oui! C'était pour moi-même, ça? C'était oui. Pour toi-même. C'est... Oui, pour toi-même. Qui veut? Qui veut? Toi! Allez, prends. Prends pour toi. Ça lève. Bébé, c'est pas pour qui c'est ça. Tiens. Garde le reste. Non, ça, c'est trop pour moi. Je ne pourrais pas. Quand on a Noël, ça, ça me les cœurs qui comme ça parce qu'il ne va pas avoir faux, ni de nez d'affaires. Joyeux Noël. Allez, nous continuons, nous tirons. Merci. Et bon, voilà, ben vous avez. Merci, merci, merci. Alors, croyez-moi que ça fait vraiment plaisir avec cette chaleur qui tue et cette chaleur torride qu'il y a en ce moment avec l'été. Aline Maurice, justement, BJ. En fait, on est tout le temps déshydraté. J'ai l'impression d'avoir tout le temps envie de boire quelque chose, en fait. Mais justement, on est venu dans l'endroit parfait. On est chez Bubble Tea and Mochi House, ici à Rosyle. Et qui dit tout? Ici, vous pouvez avoir vos bubble tea avec tout plein de différents flavors. Ouais, il y a de tout. Hein. Et surtout, ils ont des mochi et Estelle n'a jamais, jamais goûté un mochi parce qu'ils ne vont pas connaître que ça y habite. Non, mais c'est vrai. J'ai vu souvent dans des vidéos, dans des photos, etc., où les gens postaient sur les réseaux. Et à chaque fois, je me posais la question, mais ça... Comme si, qu'est-ce qui gouillait là, ça mais s'appelle dans ta, là. Dans ta tête, quel genre de texture ça a? Et dans ta tête, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je crois que c'est un peu gélatineux. Je ne sais pas pourquoi je pense à un truc un peu gluant, mais doux, mais très doux. Tu es assez proche. Ouais, tu es assez proche, en fait. Je suis content. Je pense que tu vas aimer parce que tu es assez gourmande et tu aimes tout ce qu'on te donne gratuitement. C'est pas mal, j'aime bien. I like that. Allez, on va goûter tout de suite vous autres et montrer vous un petit peu qu'est-ce qu'on a à proposer ici. Regardez-moi dedans.
Mango coconut, coco pandan, choco coffee, passion fruit cheesecake, choco caramel, choco truffe, red velvet, crème brûlée, Nutella. Oh, crème brûlée. Oh. Et Nutella au bout. Bon, à savoir qu'il y a aussi d'autres gâteaux et plein d'autres choses qu'ils proposent. Les mooncakes. Il y a les mooncakes. Ouais, mooncakes homemade, gâteaux étoiles, sponge cake, tarte banane, cheesecake, etc. Mais là, on est là. Ouais, il y a des macarons. Mais là, on est là pour les mochi. Je sais pas quoi prendre, Estelle. Choisis bien. Moi, pas connaissi. Enfin, moi, c'est ma génération. On voyait ça assez souvent, gâteau étoile, le sponge cake, là. Avant, on voyait ça Marie souvent. Ah, beaucoup maintenant, tu mais vois maintenant, plus. Mais maintenant, tu vois à peine ça. Eh ouais, eh, non, c'est vrai. Eh. J'ai beaucoup mangé ça durant mon enfance. Ça, dans une époque, ça. Longtemps. Longtemps. Qu'est-ce que tu vas prendre, toi? Je serai très, très original. Je vais prendre passion fruit, cheesecake, tout en prend passion fruit. Je vais prendre mango et coconut pour moi. Parce que c'est deux trucs que j'adore et je pense que les deux ensemble, ça doit être une chérie. Vous voulez quelque chose, les garçons? Comme moi? Charlem? Red velvet, crème brûlée. Pandan? Ça veut dire un coco pandan, un mango coconut et deux passion fruit cheesecake. Et bien sûr, je vais prendre un... Moi, je vais prendre un fruit tea. Un fruit tea aussi. Et ce sera... watermelon pour moi. Ah non, 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 tu as green apple. Green apple. Green apple. Niveau de sucre glaçant, moi. Sucre bas. Très bas. Ouais, parce qu'il m'a déjà bête. Watermelon aussi. Watermelon aussi. De jolis sous-verts là, allons utiliser. Fait main, attends, fait main en plus, et c'est fait avec des papiers journaux qui ont été tournés, recyclés. Collés, voilà, petit truc en recyclage. Et petit iced tea, vous watermelon là. Ooh. En plus, tu peux choisir si tu veux que ce soit très sucré ou pas sucré, nous on a pris l'option. Pas vraiment pas sucré, sucré, légèrement. Les garçons, ça c'est. C'est autre chose. Autre chose. Ils ont pris tout ce qui est très doux. Alors, est-ce qu'on se rappelle lequel est lequel? Qu'est-ce que tu as pris, Estelle? Mango coconut. Okay, non, je sais. Mais la couleur, c'est orange. Ok, ok, alright, sorry. En fait, la texture est assez spéciale. On savait vous. Moi, j'avais pris passion fruit and cheesecake, and I guess. Comme maniche. Et puis, Chalem a pris pandan, coco pandan. Ah, ok, ok. J'ai envie d'aimer. J'ai peur qu'elle me dise pas aimer. Attends, 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 allez. Arrête d'exagérer, Stéphane. Deux, attends. Et garçon? Il est mangé deux. C'est maintenant que ça va être assez très spécial. Oh, wow. Non, attends. Laisse-moi décider, vous avez mangé une là avant. Ah. Allez, shake it, shake it, shake it like a Polaroid picture. Que j'aime. Ben oui. Parce que de l'intérieur, il y a un genre de feeling. Marie, bon ça. Il y a un bout de mangue à l'intérieur. Quand tu as le goût de coco. Ok, maintenant je comprends le craze de ce truc-là, des mochi, je comprends. Allez, cheers, vous autres. Voyez ça. Look at that. L'intérieur, je dois me rapprocher. Allez, rapproche-toi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez ça. Voilà, là, il y a un genre de feeling et la texture est juste extra, extra. J'essaie d'imaginer ça avec l'ice cream, là, waouh. C'est la première fois. Sorry, vous autres, hein. C'est la première fois que je prends mon cheesecake. C'est là, c'est passion fruit cheesecake. Et je dois avouer que je préfère cheesecake qui m'a normal là. Ouais. J'ai envie de goûter un petit bout du tien. Ouais, mais pas trop envie de partager. Ça, c'est une autre question. Non, mais juste pour voir la différence, pour comprendre. Un petit bout, je veux juste un petit bout. Allez, vas-y. So good! Marie, bon ça. Et tellement de choses à découvrir en fait à Rosie, là, mais pas tout le monde passe côté là, mais maman, c'est ça, Odie. Je savais pas. Au début, oui, mais on n'est jamais venu chez elle, mais là, je fais vraiment de belles découvertes aujourd'hui. Je vais vous dire un truc, vous autres. Laissez vos voitures de côté de temps en temps. Sochi, Mossé, découvert.
quand je pas connais les affaires, rentrez, pose question. Pas l'exister là-haut ouais. En bas. Après, dis, non, on n'est pas content. Si vous pas le goûter ou pas vous connaissez, si vous êtes content ou pas content, rentrez. Et parfois, on tombe sur des perles comme ici. J'adore, c'est marivant. Cheers, vous autres. Comment expliquer où vous êtes exactement pour que les gens ne se perdent pas? Pas plus simple, allô Google. Ouais. Si vous pouvez dire ça, deuxième semaine, tourne à droite. Non, 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 vous êtes plus simple. Allô, votre portable. Tape Bubble Tea and Mochi House à Rosier. Ça vous montre exactement où c'est. Anti Bans, Marie-Salie pour votre casse and pause pour venir goûter plusieurs petites choses et relax pour un petit affaire glacé. Et il y a la clim. Yes. Il y a plus grand temps. Nous séparer, Estelle. Nous séparer, ok. Nous séparer pour mieux se retrouver. Ok, moi je sais que j'entends juste derrière, là, chez iStyle. Va chez iStyle et moi je vais de l'autre côté. Je vais... Manish, qui nous fait? Tu es venu? Allez, venez, mon frère. Bon, ils vont, je crois, visiter un magasin de hip-hop. Et nous aussi, on va visiter le magasin iStyle. Pour s'habiller, pour trouver des accessoires, c'est the place to be. On n'arrête pas de tomber sur des magasins extraordinaires. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous avait fait visiter Maxime, qui était l'univers des t-shirts à Kiopi. Et bien, j'ai l'impression qu'on est arrivé dans le même endroit ici, mais à Rosil, en version plus stylée. Hein. Il y a tous les t-shirts que vous pouvez imaginer ici avec les plus gros stars. Hein. Travis Scott, je vois qu'il y a d'autres groupes. Ouh, waouh. Ouais, genre wow. Alors, NWA, alors il y a vraiment, vraiment de tout en termes de t-shirts. Je vois des shorts, il y a des skateboards de ce côté, donc des petits trucs hyper sympas. Vous avez également des petits porte-monnaie hyper stylés, des backs de votre téléphone que vous pouvez personnaliser ici. Et check ça là, il y a mon petit costume, tout. J'ai vu des trucs d'Harry Potter de l'autre côté avec des baguettes. Mais là, Money Heist, avec des petits costumes hyper stylés pour la fin d'année. Pour ceux qui ont adoré la série, mais vraiment, avoir un petit costume comme ça, c'est sympa. Et un Nirvana, regarde là, j'adore. Regarde ça, genre ouais. J'ai l'impression des fans de rock, de musique et tout. Vous allez trouver votre bonheur ici. Oh, j'adore. Je t'ai dit, même moi, un magasin de garçons comme ça, mais je les achète, les t-shirts, et je les mets avec des bottes. Je vous dis, ça, c'est top. Top, top, top. Alors là, on a trouvé tous les petits accessoires du manga Jujutsu Kaisen, si j'ai bien dit. J'ai trouvé ce t-shirt là qui est trop stylé. Et check ça là, vous êtes. Le motto de Tom. Et là, c'est pas en plastique, c'est lourd. Limite, je vais faire des poids avec. Et top, top, top. Des petits accessoires. Il y a des sacs pour l'école. Je sais que c'est la rentrée en janvier. Bon, pas tout de suite, de tout en vacances là. Mais qu'ils ont tout pour commencer un shopping pour la rentrée dans pas longtemps. Il y a des petits sacs hyper stylés, des petits accessoires de Marvel, Harry Potter, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Cute, cute, cute. Et là, on voit d'ailleurs plusieurs personnes, notamment des enfants qui viennent, qui achètent des petits porte-monnaie. Naruto, One Piece, Yoda, Star Wars, etc. Jolie petite trouvaille ici à Rosil. Vin fait un petit détour, vous êtes ici dans le magasin iStyle. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, dans mon micro allumé, moi, on est. Oui, bienvenue dans une base qui s'appelle Hip Hop World, juste là, à Rosil. Et ici, si vous êtes fan de urban kind of attire, c'est l'endroit idéal. Venez. Shopping ici, là, comment ça s'est passé? Tu es venu me rejoindre là?
Je suis venue te rejoindre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que moi, j'ai terminé comme si au bain chez iStyle. Trop tôt, bonne fini. Et bien, bonne fini, sois-y à l'aise. Pagaille les temps là. Les temps. Time is money. Time is money. C'est tout pour être sur les tours. Vous êtes, on a passé un très bon moment. À Rosine. On a découvert déjà beaucoup de choses, beaucoup de belles pépites pour votre shopping de... Côté de on vous l'a, on vous l'a tout droit. Pour le shopping de fin d'année. Vinpel et tout, comme Christophe il mentionnait, puis Bonnet, qui dit tout, moi aussi, découvert. Découvert. En plus, c'est une petite ambiance, c'est dans la musique dans tout le magasin. Exactement. Ambiance de fin d'année. Exactement. C'est la dernière émission de Until et tout, là, pour 2022? Pour au niveau découverte, oui, mais il y a une émission spéciale la semaine prochaine. Pour vous, mesdames et messieurs. Pour finir l'année en beauté. Et après, on va vous donner rendez-vous pour la reprise en l'année 2023. Prochaine, en 2023. Où on revient chaque semaine. Grâce à Jessie Nwanko, la même. Et oui. Sinon, on vous dit joyeux Noël. Joyeux Noël. Prends bien soin de vous et des autres surtout. Et nous faisons un gros bisou. Joyeux Noël. Allez, ciao. Bye bye. Merry Christmas.